Bonsoir YouTube ou bonjour, ça dépend quand tu as cette rediff, réaction, tout ce que tu veux. Peggy 18. C'est fort. Je te dirais que ça commence maintenant. J'espère que ça ne plante pas. Si vous plaît. Ce serait bien. C'est parti. Et ça tourne. Oh, ça tourne sur le sens. Je suis avec vous. Vous ne m'attraperez jamais. Splendide. C'est une annonce 15 octobre. Ah ouais, Overwatch sur Switch. J'avoue que celle-là, je m'y attendais pas. Bonjour à tous. Nintendo Direct, le conseiller de Takahashi. Le premier que vous avez vu, c'est Blizzard Entertainment, Overwatch. You gotta see these floors of the hotel for yourself. Luigi's Mansion 3 takes place in a haunted hotel, where every floor has a distinct theme unlike any other. Case in point, Tomb Suites. I mean, a pyramid inside a hotel? Très très grand jeu, une expansion de l'univers, je guess we should expect some mummies, harsh sands, and booby traps. As for the other floors, well, there's a disco floor, a pirate-themed restaurant. You get the idea. May not be the C'est usual amenities, but there's a rogue's gallery of bosses to check out before you, well... Check out. Même si ça fait un petit peu HD, 3DS, HD. Bon. Artistiquement, ça passe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de la coop. With only one Nintendo Switch system, 2 to 8 players can battle it out. See which team can defeat the most ghosts. Collect the most coins by piloting floaties with the Poltergust G00 and break the most targets. Hey, even Luigi needs a break sometimes. Luigi's Mansion 3 opens its doors on October 31st, just in time for Halloween. Pour Halloween, évidemment. Get a load of this new free-to-start Kirby game. Kirby, 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 and Kirby are teaming up again Kirby? To face tough bosses. C'est une réédition. We're calling it Super Kirby Clash. Oh! Un super Kirby. In town. Bon, moi, les Kirby, and j'ai jamais you and your team will pick été four un jobs. Gros, gros fan. Enfin, j'aime That's bien. Right. Get your weapons. J'ai fait le premier sur Game Boy, sur NES, some mighty tough enemies sur Wii. Kirby Adventure Wii, je crois que ça s'appelle. More than 100 quests. J'avais fait quoi? Ah, il y a Kirby, rien à voir, mais il y a Kirby. Right jobs for the job. Attendez, est-ce que je peux? The key to victory is to know your role as a team. Il y a Kirby, play alone, comment il s'appelle déjà? Merde. R-Ride, Kirby R-Ride sur GameCube qui vaut très cher. Très très cher que j'ai la chance d'avoir parce que je l'ai eu à l'époque. Je trouve, je l'ai trouvé en occasion à 20 balles. Très très bon jeu de course. Course un peu style Smash Bros. Parce qu'on se tape sur la gueule. Enfin, très très bon concept Kirby Air Ride. Je vous conseille. Hein. Avec and vos amis, vous éclatez Kirby Air Ride. Sur émulateur, il marche très bien. Faites-le. Ah, le fameux Trails of Mana. Alias Seiken Densetsu 3. Qui n'a jamais été dispo en Europe. Et qui aura droit à son remake et en HD s'il vous plaît, en remake. Ce qui n'est pas rien. Now you remember what will happen to dear Jessica if I die. This interference will not be forgotten. As each character advances, they'll have the opportunity to switch their. Moi, ça m'intéresse de les faire les Seiken. Ça m'intéresse beaucoup. Step into the light.
or show your dark side when picking your class to change your character's appearance and abilities. Ça a l'air pas mal, hein. La qualité, elle est comment? Unlike the classic version, characters have full range of movement, including jumping and combo attacks for each member. Ouais, c'est énorme quand même. Trials of Mana, enfin le jeu qui n'est jamais sorti chez nous, sort enfin. J'imagine les fans doivent être fous. Hein. Doivent être fous, hein, entendre ça. Find out what's in store for the beloved excellent. World of Trials of Mana on April 24th. Excellent, excellent. Just what happened to the crew of this doomed ship? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Return of the Mariner, je crois que MV l'avait fait. Only to wash up 4 years later and found très spécial comme jeu. No sign of survivors. Ça avait l'air très spécial. Mais artistiquement original. As an insurance investigator for the East India Company, you must board the ship and uncover the mystery of its disappearance and return. Your analysis will rely heavily to turn back time and witness each soul's last moment. You bastards may take exactly what I give you. Explore the ship. Observe the situation. And record your logical deductions. Ah, c'est en spécial comme style. Without you, hein. The true tale will never be told. What brought the Oberdin to such an end? Little by little, tease apart the misfortunes of the ship and its crew to solve the mystery. Return of the Oberdin arrives on Nintendo Switch in autumn 2019. Ok, très bien. There's a small town out there with a big secret. Never ah, leave town. Nouveau jeu Game Freak. That is the rule agreed upon by the people of this peaceful town. C'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils voulaient faire autre chose que Pokémon Game Freak. Bah voilà. One day, there suddenly appears ah, ils ont quand même un style graphique qui me dérange. Hein. Ça fait très jeu 3DS quand même. One boy named Axe will stand up to face him. La musique est pas mal. And the only weapons he'll need are ideas. But to win one of these battles, you must know when to use them. Strategy is everything if there's any hope. Elle a un petit air d'Undertale, la musique. During battle, you can move around to garner support from townspeople. Ça a un air d'Undertale, la musique. Take advantage to gain the advantage. Mais vraiment, regardez-moi ça, quoi, les textures. Regardez-moi les textures de mort. Oh, ok, le jeu sera peut-être très bien, l'histoire, la musique sera très bien, mais... Sortir ça en 2019... Almost all the music in the game was composed by Undertale creator Toby Fox. Et eh ben voilà. Voilà pourquoi les musiques font très Undertale, parce que c'est Toby Fox qui a fait les musiques. Comme quoi, j'ai adoré Undertale, j'adore les musiques d'Undertale, et je me disais bien que ça faisait très Undertale les musiques. Autumn is coming to Super Smash Brothers Ultimate. Ah, le fameux Banjo. Banjo qui arrive sur. We can finally confirm the release date of Challenger Pack 3 for Banjo and Kazooie. Oh, la date, s'il vous plaît. And the release date is. Today. Oh. After today's Nintendo Direct, we'll broadcast a video detailing how to use Banjo and Kazooie, aujourd'hui. Featuring the game's director, les fans, Masahiro Sakurai. Les fans seront contents. As a special treat, moi, the video will begin Bros, immediately bon. Following the Nintendo Direct you're watching right now. J'ai du mal à me hyper sur les personnages, mais j'y joue plus. Hide yourself over until the release of Banjo and Kazooie. Please check it out. Mais très bien, il est dispo. But c'est first, bon à savoir. Ah, nouveau perso. Attention, nouveau personnage. Attention. C'est le suspense. Ah. Tiens, tiens, tiens. Eh ben c'est confirmé, la rumeur. Eh bien la rumeur du personnage SNK sur Smash Bros est confirmée visiblement. Alors c'est quel personnage? C'est King of Fighters, c'est ça? Ah, les coffres sont très bien. Très très bon jeu SNK avec King of Fighters. On va avoir plusieurs persos, c'est ça? Plusieurs persos issus de King of Fighters. Pourquoi dans le chat? Ah, vous voyez peut-être pas. Je sais pas si vous voyez là.
spam Jojo. Il spam Jojo. Pourquoi il spam Jojo dans le chat? Pourquoi ils veulent Jojo? Ça n'a aucun sens. Il peut pas y avoir un Jojo. C'est pas SNK qui détient Jojo quand même. Jojo Sbire Adventure. Ça n'a pas de sens. Ah si c'est Jojo, c'est live. Parce que moi je suis très Jojo. Très Jojo Sbire Adventure en ce moment. Bah Terry, ouais, il est Terry. Bah, évidemment, c'est un des personnes plus emblématiques de KOF. Ok, très bien. Très très bien. Ah, Fatal Fury, c'est pas KOF, c'est Fatal Fury. Je confonds toujours. En novembre. Bon, ça c'est vraiment pour les vieux de la vieille, hein, pour les vrais mordus de jeux de combat. Ça va les faire kiffer. So, Terry Bogard from Fatal Fury is joining the battle. Il reste un perso à annoncer. That means we've revealed four of the five fighters included in the fighters. Est-ce qu'ils vont l'annoncer pass? À la fin, le Can dernier? There really be only one left? Ah! Attention. We're happy to confirm the development of more DLC fighters for Super Smash Bros. Oui, plus de pognon. Outside the five fighters included in the Fighters Pass, we can confirm that other new fighters are in development. The battle isn't over yet. Ah, ils annonceront peut-être pas. いかがでしたか？最後に告知されたさらなる追加ファイターについての詳細は後日改めてお伝えします。引き続き任天堂スイッチのヘッドラインです。It's about time to wake the Winfrey. The Legend of Zelda: Link's Awakening, which means the next big adventure on Nintendo Switch is fast approaching. You'll meet some strangely endearing islanders. Je l'ai précommandé d'ailleurs. Face a series of puzzling tasks. On le fera. And encounter some oddly familiar faces. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Whatever happens, help Link escape Koholint Island before its mysteries get the best of him. With the all-new Chamber Dungeon, you can place chambers earned on your adventure to arrange your own dungeons. Ça, j'attends d'avoir plus. Add in ça, plus effects that alter chambers. Création donjon là. Save chamber dungeons to a compatible amiibo figure featuring a character from the Legend of Zelda series. Ah, that way, your bon, friends can play them. Zelda que j'ai, c'est Be celui-là. Ready. The Legend of Zelda: Link's Awakening will launch on September 20th, and the new Link amiibo will be available that same day. Pre-order it from Nintendo eShop now and earn double gold points. J'en ai d'autres, hein, des amiibo. J'ai celui-là. You know the hero's might from Super Smash Bros. Ultimate. Now join his adventure. Dragon Quest XI S, Echoes of an Elusive Age, Oh oui, alors Dragon Quest 11, exactly c'est bon, on a compris. The most complete version of a à limite, le seul truc qui m'intéresse pour DQ11, c'est le mode, voilà, c'est le mode, voilà, le mode 8 bits. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout le jeu en mode 8 bits, enfin mode 16 bits, ou pas? Parce que sinon, c'est un exploit. Including consumable items and more equipment that can change the appearance of party members. An RPG giant draws near. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont fait tout le jeu en mode 16 bits? Enfin, je m'en renseigne. J'ai pas tout compris. C'est mes Zelda préférés, mais j'attendrai des avis. Je pense que tu peux foncer, à mon avis. Ça a l'air bon. Franchement, de ce qu'on a vu depuis là qu'il a été annoncé, il y a peu de chances que ce soit vraiment raté, quoi. Looking for more Fire Emblem goodness? Then say hello to Tokyo. Ah, Fire Emblem. Faut appeler Benzaï. Ah, Fire Emblem, je... absolument pas familier avec cette licence. Donc, je veux dire que je suis pas le public comme MV. Non, c'est vrai que c'est pas mon délire. Il faudrait que je les fasse. Faudrait que c'est quand même bien. Je sais pas. You'll face off against this threat as up-and-comer Itsuki Aoi and his friends. Faut voir. Who are trying to make it Faut que c'est très bon jeu. Fire Emblem characters like Crom and Sita. Mais j'ai plus envie de m'intéresser à la série des Seiken que Fire Emblem, voyez-vous. Je sais pas, Seiken, ça me parle plus. Ça me parle plus que Fire Emblem au niveau de l'univers. There's a new song that wasn't included in the original. Be sure to check out the other new features. From the new story elements to the characters joining you in battle for the first time. Hey, is that Tiki? Tokyo Mirage Sessions Sharp FE Encore releases January 17th, 2020. You can preload it from Nintendo eShop shortly after this presentation.
Welcome back to Where Nothing Is What It Seems. Boston, 2019. It all begins again when FBI agent Aaliyah Davis opens an investigation into an old serial killer case. She also opens a door to the unknown. A door that also takes us back to New Orleans, 14 years ago. Here, our story follows an FBI agent who goes by the name of York. The journey between past and present will take Aaliyah and York on a winding path. But what lies at the end? Will it be truth or madness? What? Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, Boggles and Beguiles on Nintendo Switch 2020. Rising Star and now for the shocker. The original game in the series will launch on Nintendo eShop as Deadly Premonition Origins, shortly after this presentation. Okay. Très bien. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition is finally coming to Nintendo Switch. Check it out. J'aime pas les Fire Emblem, je me suis chié dessus pendant une heure ou deux, je tiens, mais après ça me gave. Ouais. Bah j'ai joué à... Le seul Fire Emblem que j'ai un peu dosé, c'était Fire Emblem Awakening. Je trouve ça sympa. En termes de tactical RPG, parce que c'est un tactical RPG, on est d'accord, hein, les Fire Emblem. Mais je sais pas, ça m'a vite gonflé, quoi. C'est moins mon délire. Je comprends qu'il y ait des fans, je comprends que ça plaise. Les musiques sont excellentes, par contre. Je suis obligé de reconnaître que les musiques sont excellentes. Mais le scénario, en tout cas de Awakening, il n'était pas... Je sais pas, ça m'a pas tenu en haleine, quoi, le scénario. Ça ne tient pas autant en haleine qu'un FF, qu'un Secret of Mana, ou ce que tu veux, tu vois. Non. C'est pas... C'est moins mon délire. Mais je comprends la fanbase. La fanbase, elle est assez forte quand même. Si ça continue encore aujourd'hui, les Fire Emblem, c'est que la fanbase est assez lourde aujourd'hui. And now for a message from Bethesda. Elder Scrolls 6, non, j'ai Nintendo fans, Pete Hines from Bethesda. Alors, on a réussi à faire tourner Doom Eternal en 25 FPS. On va essayer d'amener à 26-27 FPS. Voilà, et puis. Mais comme on n'a pas réussi à le faire, on va vous sortir Doom 64. Parce qu'au moins Doom 64, ça tourne. Doom 64, ça va tourner facilement. Voilà. Voilà, comme on n'a pas réussi à faire tourner Doom Eternal, on sort Doom 64. On est sûr qu'il tournera sur Switch. Voilà. Par contre, on n'a pas augmenté les FPS parce qu'on est des gros sacs, donc le jeu sera toujours à 20 FPS dégueulasse comme sur 64 de l'époque. Voilà. Donc on vous met la ROM dégueulasse telle qu'elle était à l'époque et on touche pas au jeu, quoi, évidemment. Et si vous voulez jouer à Doom Eternal sur Switch, vous vous mettez un doigt dans le fion et vous achetez un PC ou une PS4 ou une Xbox One. Introducing a brand new IP from developer Hi-Rez Studios, Rogue Company. To most of the world, Rogue Company is a rumor at best, but its operatives are the real deal. And as one of these elite specialists, you'll face challenges which will require your specialized abilities and tools to combat the infamous organization Jackal. Play against friends or match up with a similarly skilled team online in a variety of objective-based game modes. Whether you wield guns, gadgets, or melee weapons, your playstyle will depend on your choice of mercenary, which can be fully customized. Là, je dis des grosses conneries, il sort sur Switch. Maps, weapons, skins, in-game events, and more. When Rogue Company sneaks up on Nintendo Switch in 2020. Bah, je me souvenais même pas qu'il est sorti sur Switch, mais là-bas, autant pour moi. Je ravise ma blague, même s'il était un peu zéro. Désolé. Comme Michel. Désolé. Alors, des images du nouveau Pokémon 3D Switch. Region, a scenic land where people and Pokémon work together toward a prosperous future. Among them, you'll encounter new Pokémon and meet new people throughout your adventure. Voilà. Les Doom, c'est les Doom PC, quoi. Pas Doom 64 et encore moins Doom 64 sur Switch, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Qui va jouer à Doom 64 Once sur again, Switch? The latest entry in the series lets you pick your outfit. This time, it's not just tops and bottoms, but a wide variety, including outerwear and gloves. Super.
super, on peut personnaliser ses personnages. Voilà, on peut faire des coupes de cheveux de Playmobil. C'est parfait. Regardez, parcourez ces textures d'herbe dignes de la Nintendo 64. Et cet open world avec au moins 15 ans, 25 ans de retard, c'est unique. Unique. Et les Pokémon qui n'ont plus de sens. On a été vraiment loin dans la drogue. On a exploré les plus profondes pensées, les plus profondes pensées de notre imagination pour imaginer les pires Pokémon. Tout ça dans un décor dégueulasse, digne de la 64. Et on a pensé à une option pour faire du curry. Ça nous paraissait important de pouvoir faire à manger. Voilà, c'est comme FF15, sauf que au lieu de voir la bouffe réaliste, c'est en JPEG. Voilà. Et évidemment, on a pensé à mettre du mouvement, des interactions pendant qu'on fait la cuisine, mais ça sert à rien. Voilà. There are more than 100 types. And each one you cook up will be registered in your curry dex. The goal? Voilà, c'est exactement comme FF15, mais en plus dégueulasse. Évidemment. Voilà, regardez-moi ce Pokémon. Voilà. Un jour, j'étais chez ma grand-mère et je fumais un bon joint. Et d'un coup, la théière s'est mise à bouger. Je me suis dit que ce serait une super idée de Pokémon. Je suis rentré à 2h du matin à mon boulot. J'ai ouvert les bureaux alors qu'il n'y avait personne. Et je me suis mis tout de suite à dessiner et à modéliser ce Pokémon. Mon patron a dit que c'était une idée génie. Mais il m'a quand même viré. Il a gardé mon idée et il m'a viré. This flying and water type Pokémon has one huge appetite. It will swallow anything it can fit in its mouth. When it uses surf or dive, le pire c'est que ça va cartonner Pokémon. Attends, ça cartonne toujours. Là, je troll. Je troll comme un vieux con. Mais en vrai, ça sera sûrement un très bon jeu. Moi, je regarde ça d'un œil d'un œil de vieux con, quoi. Qui a connu les premières générations de Pokémon et qui a connu voilà, la toute première génération et qui pour moi à partir de la troisième c'est parti en couille. Pour moi Pokémon ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Au niveau des designs je parle. Et même au niveau des jeux je trouve que ça n'a plus aucun sens. C'est des jeux qui ont 20 ans de retard de ce que je vois. Ça fait un an qu'on vous encule avec le Nintendo Switch Online. On a décidé de vous enculer encore plus profondément. Voilà, on vous propose que des jeunesses dégueulasses. On peut même pas jouer en ligne aux jeunesses avec des gens random, alors que Sega propose déjà ça dans leur compilation Mega Drive. Et on a enfin décidé après un an de mettre des jeux Super NES. Et bah c'est pas trop tôt. Et Super Mario Kart, on pourra pas y jouer en ligne, vous allez voir. Voilà. Alors que Super Mario Kart, ils proposeront pas de matchmaking. Alors que ça me paraissait. Est-ce qu'on aura F-Zero ? Voilà, on va avoir un jeu de course dégueulasse. Est-ce qu'on va avoir F-Zero, s'il vous plaît ? Ils vont pas mettre F-Zero, vous allez voir. Hein. Ouais, Super Ghost and Ghost. Super Castle 4 peut-être ? Ah, on a le Rewind. C'est plutôt bien. Ah, si, F-Zero ! Ben voilà ! C'était pas putaclic alors, ma vignette, il y a F-Zero. Je vous ai pas menti, il y a F-Zero. Disponible 6 septembre, ah, excellent. Nintendo Switch Online に加入されていれば無料でお楽しみいただけますのでぜひご体験ください。Eh bah pourquoi pas. これ、わかりました。Vous avez vu ça ? J'ai une manette Super Nintendo qui va coûter 60 balles. Nintendo Switch Online 専用のコントローラーも発売します。Voilà, on va pouvoir jouer pour 60 balles avec une manette Super Nintendo. Alors que la 8 bits d'eau qui vaut 40 balles, qui peut tourner sur PC. このコントローラーは30 balles. Nintendo Switch Online 加入者限定商品。Mauvaise foi ce soir, décidément, je suis très mauvaise langue. 詳しい情報は website でご確認ください。当時と同じコントローラーで遊んでみるのはいかがでしょうか。30 balles, bon, ça va, 30 balles.Nintendo Switch のヘッドライン。C'est pas donné quand même pour mettre Super. Bon, ça va, 630 balles. Je vais pas faire le radin.
Un mode survie ultime arrive dans... Ah, ça m'intéresse parce que je joue beaucoup. Ah, Tetris 99. Alors, qu'est-ce qu'ils vont ajouter? Invictus is here, and not for the faint of heart. You can't even play it until you achieve Tetris Maximus status. Can you survive against the best of the best? Ah ouais. Well, good luck. We're also adding in daily missions for some added challenges. By clearing these missions, you can acquire tickets and exchange them for a variety of custom themes. Oh, sweet. To showcase your accomplishments. C'est énorme. We're tossing in a vast array of new player icons. Ah, ça ajoutait vachement du contenu en fait. Beyond that, the second wave of paid DLC is here as well. Deuxième vague de DLC évidemment. Share battle mode. Pass a Joy-Con controller to a friend for two players oh, ouais, against each other and the CPU, and get together with friends to battle via local wireless on your sympa. Nintendo Switch system. Ah, ça m'intéresse grave. The version 2.0 update for Tetris 99 will be released on September 5th. A package version including the game, DLC, and a Nintendo Switch Online 12-month individual membership will be available September 20th. Mario and Sonic are ready to kick it old school in Tokyo. Mario and Sonic at the Olympic Games has alors become Mario a tradition Sonic of itself. Jeux Olympiques. This time, there are more than 20 events, le seul truc intéressant de ce karate, jeu, football, c'est que il y aura un mode, vous allez voir, là, je pense qu'ils vont montrer un mode 8 bits. Badminton, on va jouer, enfin on va faire toutes les épreuves en mode 8 bits et ça a l'air pas mal. C'est ce truc que je trouve intéressant. Et je pense qu'ils auraient dû faire un jeu complètement comme ça. Voilà. Il y aura 10 disciplines rétro. Seulement 10 épreuves. Oh. 15, ça aurait pas été le luxe, peut-être, non? Voilà, moi, un jeu comme ça, ouais. Un jeu full comme ça, j'achète. Hein. Ouais, c'est Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 will go for the gold on November 8th. Hors de question. Bon, est-ce qu'on peut avoir une petite annonce un peu excitante, la Nintendo, quelque chose, voilà, quelque chose qui craque mon slip. Ouais, j'ai envie de sentir mon slip craquer là ce soir. Et pour l'instant, il se passe rien. Là. Prologue, you'll man your arsenal through the beginning of the game. And il se passe absolument rien quand je regarde là, il se passe rien. If you've never played an action shooter game like this before and you're wondering what they're all about, this is the perfect time to take one for a test drive. A key feature of this demo is the co-op mode for up to 4 players. Qu'est-ce que c'est l'annonce la plus intéressante? Pour l'instant, franchement, c'est les jeux Super NES. En vrai, les jeux Super NES sur Switch, ça c'est cool parce que, en vrai, pour l'anecdote, j'ai toujours rêvé de pouvoir jouer à F-Zero en portable. Et jamais c'était sorti. Alors c'était sorti sur New 3DS. Si t'avais la New 3DS, tu pouvais l'acheter. Mais bon, j'allais pas acheter la New 3DS pour jouer à F-Zero, quoi. Du coup, non. Mais sinon, ça n'a jamais été dispo. Et même sur les émulateurs comme la PSP ou la PS Vita, marchait très. Non! Oh, sérieux? Meilleur jeu Star Wars. Hein. Eh, Fallen Order, c'est du pipi à côté de ça, clairement. Best jeu Star Wars. Enfin, le best jeu, c'est Jedi Academy, mais bon, celui-là, c'est celui juste avant Jedi Academy. C'était le meilleur jeu avant Jedi Academy. Très très bon jeu. Je pense qu'ils le ressortent parce qu'il était déjà sorti sur GameCube. Donc ils peuvent se permettre de le ressortir sur Switch. Excellent. Excellent jeu, Jedi Outcast. Évidemment, Witcher 3 en 640p avec... aliasing dégueulasse, texture very low. Clipping, j'ai regardé la vidéo de gameplay, il y a quand même un sale clipping sur les ombres aussi. Hein. Après, vous allez me dire, connard, c'est normal aussi, tu crois que la Switch peut faire des miracles? Je sais, calme-toi. Tout va bien se passer, fan de Nintendo, je troll, c'est de l'humour. Plus sérieusement, je trouve que c'est quand même un exploit d'avoir essayé de faire tourner Witcher 3, mais bon, on aura de se moquer. Ouais, c'est pas interdit. Non, c'est vrai que c'est, voilà. C'est pas très très beau, quoi, Witcher 3 sur Switch. Mais bon, l'exploit est là. L'exploit est là et il a le mérite d'y aller. Ouais, pouvoir jouer à Witcher 3 sur portable, c'était presque inespéré. Craft and customize hundreds of gear options and team up with other slayers to take down boss-sized behemoths. As you can see, the folks at Phoenix Labs are adding loads of new content in anticipation of the game's launch on Nintendo Switch, and there's plenty more on the horizon.
open your calendar. More games are on the way. Ouais. Là, c'est la fin du Nintendo Direct. Alors, vos annonces, c'était des jeux Super NES. Et un Kirby. Un personnage Smash Bros. Et c'est tout. C'était quand même pas ça, Nintendo, vos annonces. Attention. Attention. Le doigt, là. J'ai pas envie de me le mettre dans le fion ce soir. Ce serait bien, là. Petite annonce surprise. Mais je pense que c'est fini. Hein. Ouais, peut-être une annonce surprise quand même. Kaga deshita ka? Tsugi wa Atsumaru Doubutsu no Mori desu. 6 gatsu ni koukai shita naiyou wo aratamete go shoukai suru eizou wo go yoi shimashita node goran kudasai. Ça c'est pas une annonce, hein. Ça a déjà été annoncé. Ouais. Alors il y a une hype autour d'Animal Crossing, j'ai jamais compris. C'est des jeux sympathiques. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Animal Crossing. Moi je retiens Trail of Mana. Et ben voilà. Franchement je suis de ton côté hein. A laid back, relaxing time in a haven of nature awaits. En tant que fan des Seiken, ça doit faire quelque chose de revoir ces jeux. Et surtout de voir qu'il va y avoir un remake de Seiken 3. Effectivement. Je peux comprendre que ce soit sûrement la chose la plus intéressante. Je dirais que, en vérité, c'est peut-être la chose la plus intéressante que j'ai vue avec les jeux Super NES. C'est sympa de se dire que je vais pouvoir enfin jouer à F-Zero dans mon pluma. C'est vrai, c'est cool. J'en avais marre de jouer à des jeux NES tout moisi. Même si je sais qu'on pourra pas jouer en ligne à Super Mario Kart. C'est quand même complètement con entre nous. Il n'y aura pas de matchmaking sur Super Mario Kart. Apps for all your deserted island needs, including recipes for crafting tools and furniture. Et ça, quand même, c'est la déception. Quoi. Let's start by crafting an axe. We're going to need some materials. J'aurais surkiffé faire du matchmaking à Mario Kart Super NES. Hein. J'adore ce Mario Kart. And stones. Mais bon, je me contenterai déjà de jouer à F-Zero. Je sais pas s'ils ont mis Castlevania 4. Du coup, c'est dispo demain, enfin demain, vendredi. Nicely done. You can use the tools you craft to acquire new materials, like this. And with those, you can craft more items. Je suis presque tenté de faire une petite session Switch quand ils vont mettre l'online là. Or outside. Pourquoi pas? You can fine-tune the arrangement so that the decor expresses your style, and you can fully enjoy the deserted island life. Bon, on sera peut-être une session Switch en mode on va tester un peu les jeux SNES sur Switch. On va voir ce que ça donne. Including any weeds you remove as part of our island cleanup plan. In addition to the usual in-game currency bells, you can also earn Nook miles through the Nook mileage program. You can exchange your miles for special items and recipes. You'll earn miles through a host of activities on the island, so be sure to take advantage of this program. There are many ways to experience the joys of life on a deserted island. Go fishing, catch some bugs, tend to flowers. Un quest en mode rétro, il a l'air pas mal. Mais ça, c'est ce truc, le seul aspect d'un quest S qui m'intéresse. Thanks to crafting, even we have uses. C'est ça. Mais bon, moi, je l'ai déjà fait dans un quest 11. Hein. J'ai pas envie de me le racheter, de le refaire, surtout putain. Il est long. Et puis il est pas que.
Il est pas toujours rythmé, hein. Bon, il est très très bien, y'a pas de problème. C'est sûrement un des meilleurs RPG que j'ai fait ces derniers temps. Meilleur que FF15, par exemple. Même scénaristiquement, c'est bien meilleur que FF15, je trouve. Mais je pense pas que je le rachèterai. Non. Peu de chance que je le rachète. Depending on the time of day and the season, you'll encounter different creatures to catch too. Ça en quoi c'est basique? Oui, ça a toujours été basique là, en quoi je sais. Non, mais c'est pour dire le niveau de scénario de FF15 quoi. C'est pour dire que dans Quest 11, c'est un supérieur à FF15. Voilà. Up to 4 players at a time on one system. We hope you enjoy living together and working together. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait plus de rebondissements dans DQ11 que dans FF15. Et je me suis plus amusé sur Dragon Quest 11. Et pourtant, je suis plus un pro Final Fantasy. Super. Et bah, ça donne envie, ça, de mettre aussi, hein. How's deserted island life looking? What we've shown you here today is truly just the beginning. There's so much more waiting to be discovered. So many activities, animals to encounter, and more calling to you from the island. We can't wait for you to experience the Nook Inc. Deserted Island Getaway Package. いかがでしたか。発売までもう少しだけお時間をいただきますが、楽しみにお待ちください。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。Attention, Jackie Chan. Te foire pas là. Ça sent Zelda, ça. Ou pas. Ah non, c'est Xenoblade, ça peut-être.Bon, c'est peut-être plus que Xenoblade. Ouais. C'est Xenoblade. Malheureusement, ça m'intéresse pas. J'ai jamais fait deux Xeno de ma vie. Et je pense que c'est une erreur. The future.C'est même pas un nouveau jeu, c'est juste une définitive édition. C'est encore pire que tout. J'allais dire, à ce moment-là, j'allais être fair play en disant bon, Xenoblade, je suis pas le public, ça m'intéresse pas. Mais pourquoi pas pour les fans, je peux comprendre. Mais là, même pas, c'est juste une réédition de Zemmour. En 2010, Monolith Soft 開発の Xenoblade が。ゼノブレイド、ヒューズエディションとして任天堂スイッチで生まれ変わります。来年2020年の発売を予定していますので、今後の続報をお待ちください。本日の放送は本日の放送は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。Exactement là où je s'étais prévu. Bon, est-ce qu'on regarde vraimentLa présentation de grand jour. どうもこんにちは。スマブラディレクターの桜井です。On n'est pas à l'abri d'un. 前回勇者の使い方。On n'est pas à l'abri d'une surprise. On regarde. 放送させていただきましたが。Fait combien de temps qu'on a vu ça? 40 minutes déjà. バンジョー&カズイの使い方というものを続投でお話しすることになりました。でも皆さんあれから時間が経ったと思われるかもしれませんけど、ah、là, c'est vrai que niveau annonce, 収録は実はその双子だったんですね。Fameux, hein, よく働くなと我ながら思います。今回はダイレクト後の時間を少しだけいただいてお話をしたいと思います。勇者の使い方では、やっぱりプレイ画面は私一人だけだったんですね。一人でこうやって、コントローラーを触って、遊んでました。Qu'est-ce qui nous fait ça, 勇者の場合は実は呪文とかをそのまま使うとですね、コマンド選択でそのままだと盾とかで受けちゃうんですね。なので、わざと受けられるように後ろを向いたり技を出したりとか、いうことをこっそりしてました。
今はこうやってやっていますけど、実はゲームキューブなんかの収録の時にはこのように縦に並べていたことが多かったんですね、実は。ですが、これをやるとプロコンでやると LR ボタンを間違えて押してしまうという問題があったために、今やりにくいながらもこのように。今回も2人一緒に万丈和衣らしい言葉が言ってましたけど、頑張っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。万丈&和衣の大冒険とは、実は昔、98年に任天堂64で出ていた、スーパーマリオ64タイプのゲームです。万丈自体はディディーコングレーシングというその1年前の作品に出ていました。その後、万丈&和衣の大冒険が出た後、万丈&和衣の大冒険2、そして日本では販売していませんが、ゲームボーイアドバンスの作品で、2作出ています。そして、ガレージ大作戦という作品が、Xbox で出ています。ご存知の方はご存知かと思いますが、万丈&和衣の大冒険は、今はマイクロソフトの著作物ということになります。マイクロソフトさんは、任天堂と、関連を考えるとやっぱりライバルプラットフォームなわけですよね。その上で気持ちよく、バンジョ&カズイの、techniquement c'est un concurrent mais techniquement ils en ont rien à branler Banjo alors nous すごく歓迎ムードでした。 on leur a filé un peu de pognon pour l'avoir et pour faire juste le buzz comme ça les fans ils sont contents et ils nous cassent plus les couilles avec Banjo. 今遊ぶなら Xbox で遊ぶことができます。任天堂の番組で言ってしまいますが、 Xbox ぜひ任天堂遊んでください。Nintendo qui fait de la pub pour la Xbox. Retenez ça parce que ça, c'est historique. Nintendo qui vend Banjo sur Xbox. Et oui, parce que Banjo est uniquement dispo sur Xbox, hein. Il n'est pas du tout dispo sur Nintendo Switch. Hein. En vérité, ça a l'air de rien comme ça, mais bon, même si on sait que Nintendo et Microsoft, ils ont fait du partenariat, qu'ils se font copain-copain et tout, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'ils pourraient sortir aussi Banjo-Kazooie et Twitch sur Switch, ça ne coûterait pas grand-chose. Et ça marcherait super bien. Mais 原作におけるバンジョー&カズイのアクションをいろいろと、入れています。例えば、これカズイダッシュが走行になってたりしますね。あとジャンプについても、トンボ返りジャンプとか羽ばたきジャンプみたいなものを元にしているようなものもあります。弱攻撃はツメツメパンチと言います。原作でもこういう感じでやっていますから、今のアクション合うように、いろいろとモーションについては強化しています。そして百裂攻撃はキツツキアタック。Ah, comme regardez, je pense que ça va pas durer plus longtemps. Eh, voyez au fond, il y a l'espèce d'alvéole là. Je sais pas ce qu'on appelle ça, ouais. Là, là, je sais pas si je suis avec ma souris. 下強攻撃はくちばしアタック。C'est alvéole, je crois. Qui permet d'avoir le nombre de points de vie maximum. エピソード攻撃はハリセンカズイと言います。まあ日本でしかハリセンっていう言葉はないので、どういうふうに言うのかなと思ったら、海外ではブリーガルバッシュって言います。ブリーガルっていうのはこのカズイの首都みたいなもんですかね。つまり、鳥はたきということで大体合ってたということで。通常空中攻撃はウィングアタックという技がありました。Je suis curieux de voir le final smash de Banjo. Ah mais si, je crois qu'on avait vu la représentation de ces trucs avec Grand Tindal, avec les Jinjo. Les fameux Jinjo. Très très bon jeu, Banjo Kazooie, mais il faut le faire. Très très bon jeu. Le chat en PLS. C'est honteux. Ils sont pas contents. Évidemment, le chat, le jour où le chat Nintendo sera content, voilà. Je m'en coupe une. Autant dire que voilà.
Mes œufs sont tranquilles. Hein. Je peux dormir tranquille. Hein, parce que ça n'arrivera jamais. Parce que même en annonçant un F-Zero, un nouveau Zelda et un Mario de la mort qui tue, le chat sera pas content. Je vous garantis. Il y aura toujours un connard pour dire la merde. Toujours. Le chat se plaint tout le temps. C'est comme ça. J'espère que le son n'est pas trop fort de comme je peux pas parler très fort, j'espère que vous entendez bien ce que je disais. Parce que bon là voilà, c'est pas très intéressant là, ce qui se passe, j'avoue. J'en profite pour savoir si c'était pas trop fort. Le son de l'unité de direct. J'essaie de me fier à OBS, mais c'est pas évident. J'espère que c'était pas trop fort. Ouais. Je reste jusqu'au bout juste pour voir s'il y a vraiment pas une petite surprise à la fin, genre on sait jamais en 12D. Et balance des grenades. Un peu à la Link. Ça de mon côté, le son qui est parfait. Ça va, je suis rassuré. Alors, le Jinjonator. C'est à la fin de Banjo-Kazooie, ça. Excellent. Ouais, il est rapide, hein. On n'a pas le temps de voir grand chose, hein. Mais c'est pas mal. Ah, la montagne perchée avec la musique. Quoi ? Okay. Petit bug du live. Oh, il y a Mumbo. Personnage avec la tête de mort là. Mumbo. Je crois que c'est Mumbo. Fighter の説明もステージの説明もある程度やりましたし、これから実践的に対戦をしてみようと思います。
回の対戦はなんと2対1のチームバトルでやることにします。ドンキーコング、ディディーコング対、バンジョーカズイ。あれということは実はこっちは2人2人いるから安心だ。いやそんなことはないですけど、絶対ちょっとほっとくとすごく相手にいっぱいやられそうなので慎重に行きたいと思います。ちょっと牽制をしたいですね。サクラキフェルショー前後に出す球もこういう時には役に立つ。あとバンジョーカズイはカズイのジャラムセンティアアラナケーアラファンタソン。トゥレカ範囲が広い技が多いですね。Après c'est Nintendo Direct, je suis sûr qu'il n'y a rien évidemment. C'est vraiment juste la présentation et hop, au dodo. Mais on sait jamais. Mais bon, ça m'étonnerait. La part de Nintendo, ça m'étonnerait. Mais sait-on jamais. J'y crois moyen. Peut-être la dernière annonce du personnage. C'est genre le combattant 5 à la toute fin. On peut rêver, hein. Histoire qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent, quoi, parce que là, bon... C'est un petit peu le prolongement des annonces qu'ils avaient faites il y a quelques mois, quoi, finalement. Pas eu de grosses révélations, quoi. Pas de Metroid Prime 4, fallait pas rêver, de toute façon. Ça, de toute façon, je l'attendais pas, hein, Metroid Prime 4, je savais qu'il n'y serait pas. Mais parce que pour les gens qui n'auraient pas compris, c'est pour rigoler, hein, la banderole en bas. Voilà. S'il y en a qui comprennent pas, c'est pour rire. Metroid Prime 4, en réalité, je savais très bien qu'il n'y serait pas. Après Zelda, bon, on savait que là, ils allaient sûrement nous le remontrer, le Link's Awakening. Toujours content de le voir, en vrai. Et puis F-Zero. Voilà. C'est tout ce que j'avais à réagir à propos de F-Zero. Oui, ça par contre, Metroid Prime HD serait pas mal. Il pourrait largement le faire, ça. Metroid Prime Trilogy HD serait pas déconnant. En attendant, Metroid Prime 4 pourrait au moins faire ça, franchement. Son Nintendo, il pourrait faire 3000 trucs qui seraient énormes, ils le font pas. Même en termes de remake, ils préfèrent des remakes de ouf, mais ils le font pas. Surtout que c'est la mode des remakes, donc faut l'accepter, quoi. Moi je l'accepte, hein, que ce soit la mode des remakes, mais alors, quitte à ce que ce soit la mode, au moins qu'on ait des remakes qui nous donnent vachement envie. Là on a FF7 remake, ah c'est génial. Mais moi je cracherais pas sur un Ocarina of Time remake, genre un Zelda Ocarina of Time repensé à la sauce 2019-2020, quoi, un sauce voilà, nouvelle génération, ou un Mario 64 HD. Un Mario 64 HD remake, je dis pas non. Refaire Mario 64 en mode hyper joli et tout. Hein ? Ils pourraient faire des trucs de ouf, Nintendo, mais ils le font pas. Nintendo, c'est un peu le bon élève de la classe, très bon élève, tu vois, il a des capacités de ouf, mais il n'en branle pas une. C'est ça Nintendo. C'est le très bon élève de la classe. Il est super intelligent, tu vois, mais il n'en branle pas une. Qu'est-ce que c'est que ces rires en fond, ça me fait peur. Il y a des rires en fond des fois là. Pourquoi ils ont fait ça? Comme si c'était une sitcom. Arrêtez de rigoler les gens, s'il vous plaît. Country 風の原曲を対戦に落とし込むということをしていたのですが、全部で原曲も合わせると10曲今回は同行しています。
そのうちなんと7曲が新規アレンジです。これやっぱり650円相当というダウンロードコンテンツとしてはちょっとおかしい内容だといつも思ってるんですよね。6€ pour un perso. Ouais, je sais pas. En vrai, le Season Pass, il vaut le coup. Pour le Fighter Pass, 20, je crois que c'était 25 balles. T'as tous les persos qui sortent au fur et à mesure. Ça vaut plus le coup que les acheter au coup de coûte. ディレクションの問題で、なかなか言うことが伝わるかどうかっていうのは不安だったんですけど、見事にいい仕事をしていただきました。そして今回の音楽のリストがこちらになります。それぞれ、新規アレンジについては対策のイメージに合わせるための工夫をいろいろ残しています。パッドメトロイドプライムスソワPas de, voilà, pas de Metroid Prime Trilogie HD, pas de F-Zero. Je pense qu'on est tous les deux. Mais bon, t'as eu ton Trials of Mana, et visiblement, si ça te satisfait et que tu peux dormir tranquille, je suis très content pour toi. Moi, je sais pas, j'aurais voulu. Je sais même pas ce que j'attendais en fait. Une surprise. Que Nintendo me surprenne. Comme avec Link's Awakening, j'avoue, je m'y attendais pas quand ils ont lancé les remakes. Voilà un truc comme ça. J'attendais une surprise. J'attendais rien de particulier, mais une surprise. Quelque chose de ouf, quoi. Quelque chose qui me donne envie. Mais là, en vrai, il y a que les jeux Super NES qui me donnent envie de. Je sais pas. Il y a que les jeux Super NES. Tu restes dessus, tu crois? Il a l'air pas mal quand même le Trials of Mana. Enfin, moi je trouve qu'il a l'air d'être bien mieux déjà que le remake de Secret of Mana qui était vraiment à chier quoi. Le remake de Secret of Mana c'était vraiment pas terrible. Non, Trials of Mana ça a l'air quand même mieux de travailler. On peut le faire à deux maintenant. Ça a l'air mieux que le remake de Ça fait pas 2h50 que je live. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, Boobot? Ça a pu, Boobot. Hein. Il a picolé, Boobot, ce soir. Je vais régler ça. Je réglerai ça au prochain live. Bon, allez, vous la chiez, votre surprise Nintendo, vous la chiez pas là, vous faites quelque chose ou pas? Combattant Mi, c'est trop pourri, les combattants Mi. Oh, les costumes. Faut qu'ils arrêtent avec les Mi. À quel moment ils ont trouvé ça? À quel moment ils sont pas dit que c'était dégueulasse, les Mi? Les Mi, c'était dégueulasse le jour même où c'est sorti. Oh, super. À la limite, le costume Protoman, il est presque pas dégueu. Parce qu'on voit à peine les Mi. C'est pour ça qu'il est pas dégueu. Ça, par contre, c'est de la merde. À la limite, moi, je veux un vrai perso. Je veux 0 en perso. Je veux X. Ouais, super. Oh, d'ailleurs, Undertale dans Smash Bros. Ah bah là on dirait presque un vrai perso. Oh, énorme. Ah, moi j'aurais voulu un vrai perso Undertale.
Ah, ils ont mis sens dans... Ah bah ça c'est peut-être le seul truc qui pourrait m'intéresser, tu vois. Moi qui kiffe Undertale. Ah bah Undertale, pourquoi pas. Bon c'est fini, allez, pas de surprise. コスチュームが追加されることになりました。そしてそのサンズを買うとですね、なんと曲が1曲追加されます。ils ont mis le thème de Megalovania。そこがカテゴリーのようになりますので、そちらでお楽しみいただきます。アレンジをしてくださったのは、なんとアンダーテールの制作者トビー・フォックス氏。あ、トビー・フォックス。Si vous avez pas fait Undertale, 遊びに来て、一緒にスマブラやったんですよ。Buvez-en, faites-le. 実はあのすごく強い。Écoutez.Écouter des musiques de ouf. C'est sûrement une des OST les plus miraculeuses que j'ai pu entendre ces 5 dernières années. Hein. Clairement. Undertale, les gars. Undertale, c'est quelque chose. Ça, ça ne se décrit pas et ça ne se stream pas, Undertale, d'ailleurs. Je pense que c'est un jeu qui ne peut pas streamer. Il faut le faire et le vivre tout seul. Vraiment.Undertale, c'est à faire. Bah, même sur tablette, il est jouable. Hein. Quoi que ce soit pas très évident, certains trucs. Et sinon, quand est-ce qu'il sort le... Quand est-ce qu'il sort le Simon Belmont, là ? Moi, je veux bien l'amiibo Simon Belmont et Richter Belmont. Je suis trop fan des Castlevania et je veux une figurine de Richter Belmont.Bah, c'est vachement long leur truc. Terry Bogard の参戦が決まりました。一応参戦ムービーは作ってみたものの、ゲームパートは全くなかったですよね。ゲーム画面はどうなるんだと。実はほとんどできてはいるんですが、そのムービーとして完成させるまでにはちょっと時間がかかりそうなので、ah oui, vu qu'il est encore en développement, ils pourront pas trop nous présenter le Terry SNK.SNK のというかネオジオもしたオープニングちょっと面白かったですよね。多分任天堂、ils font des partenariats avec tout le monde, c'est ouf. 少しだけゲーム画面をお見せしたいと思いますのでどうぞ。Terry de Fatal Fury. Ah, il y a quand même classe. Hein. Je m'en souviens très bien de Terry. J'avais joué un peu à Final. Mais si c'est King of Fight, parce qu'il y a marqué King of Fighters. Terry, il est pas dans King of Fighters. 最後に。ダウンロードコンテンツのキャラクターをさらに作ることが発表されました。いや、自分としては、je t'ai sûr qu'il était King of Fighter Terry, ce personnage. Je me souviens avoir joué un jeu SNK où il y avait ce personnage-là et c'était qui. J'ai joué qu'au King of Fighter. Je crois que j'ai jamais joué au Fatal Fury. 自分としてはワクワクしてもいるんです。これでも。Bizarre. やっぱり、je me renseignerai. Vous le direz dans les commentaires. 増えるということは、そのゲームの世界観が一個増えるというのと。Terry de base c'est Fatal Fury. Ah bah voilà, moi répondu. D'accord, de base c'est Fatal Fury. Mais il apparaît dans les King of Fighters, j'ai pas fumé. Enfin si j'ai fumé, mais j'ai pas fumé de la bonne quoi, ça va. Kof, c'est un mélange de toutes les licences. Ah d'accord. Bah tu vois, je savais pas ça, tu vois. Je pensais que Kof c'était une licence à part, tu vois.Comme Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, tu vois. D'accord, King of Fighter, en fait, c'est un crossover de tous les jeux de, tous les jeux de combat SNK. Ok. Très très bien. Très bien, très bien. Bonne info. Allez, au revoir. Sakurai, là. Bon, c'est fini, ça. Pas de surprise, pas d'annonce. Donc on est resté pour rien, c'est sans se mettre un doigt dans le cul et on va au dodo. Alors on se met un doigt dans le cul, on va au dodo. Bien. Et bah écoutez... pour ce qui est de YouTube. Voilà. C'était le Nintendo Direct. Pas du tout putaclic. Et on va remettre un peu de musique. Parce que on se fait chier. Non, c'est trop triste. C'est trop triste. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Voilà un Castlevania pour nous détendre. Et bien c'est terminé. Désolé,
si vous étiez déçu, et tant mieux si vous avez été content de voir des jeux Super Nintendo, du Animal Crossing qu'on a déjà vu et du Pokémon dégueulasse. Tant mieux pour vous. On se retrouve pour une prochaine VOD. Et à bientôt.